fans se retrouvaient sur scène, l'ex-idole des jeunes, de plus en plus chanteur de charme, Johnny Hallyday. Après Paris-Bercy, Bruxelles était la première étape de son Cadillac Tour. Un spectacle moins ambitieux que son show parisien, il n'y avait qu'une dizaine de personnes sur scène. Mais Johnny reste Johnny. Pour Christophe de Borsus, il fut de bon ton de le détester à un moment. Hallyday s'est refait une image et il a adoré les prestations musicales de l'éternel Johnny. Johnny, c'est le meilleur. Johnny, le seul interprète qui peut hurler « Waouh !» sur scène sans avoir l'air ridicule. Car si Hallyday est une caricature, c'en est une de génie. Le plus grand rocker européen, selon un quotidien flamand tout de même, très sérieux, de standard. Le plus grand rocker planétaire, selon son public hier à Bruxelles, 8000 inconditionnés. Bon, quand il nous quittera, ce sera une perte monumentale. Nous serions prêts à monter sur la scène, ramasser une pêche sur la gueule de sa paire, ce serait un honneur. Le rencontrer, c'est mon rêve. Oui. Un jour, vous allez réaliser ce rêve, quand même. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible, mais je l'espère. Bon, j'avais des idoles, j'avais des gens que j'aimais beaucoup, comme Elvis Presley, James Dean, Gene Vincent, etc. Et puis je me suis dit, quand même, c'est formidable. J'étais en admiration devant eux. Je me suis dit, ça ne pourra jamais m'arriver à moi. Et puis bon, un jour, ça m'est arrivé à moi. Et puis, j'y croyais pas quand ça m'est arrivé. D'abord, j'ai jamais pu prendre la grossette dans ma vie parce que j'ai jamais pu croire que ça pourrait m'arriver. Et d'ailleurs, je le crois toujours pas. Johnny, notre Johnny, à propos, il est quoi l'idole des jeunes, belge ou français? Bah, il est quand même belge, hein. Moitié-moitié, monsieur. Pour moi, il est plutôt français. J'avais deux passeports, donc j'avais le passeport belge et le passeport français. Et quand j'ai fait mon service militaire, donc je l'ai fait en France, enfin je l'ai fait en Allemagne plutôt, mais sous les drapeaux français, on m'a enlevé le passeport belge, donc, et on m'a laissé le passeport français. Mais vous savez, une question de passeport, une question de papier, ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois que toute ma vie, je serai toujours à moitié belge et à moitié français. Tendre est la nuit, ah qu'il est devenu tendre, Johnny. De moins en moins, point levé, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Plutôt Adeline Danse, slow motion, les briquets tangent. Ça doit être le bonheur à 47 ans. Vous êtes heureux en amour? Bah oui, autrement je ne serais pas marié. Oui, bien sûr.